Good morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Chaya Esther Bat Miriam, ainsi que dire Fouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Chamshat Miriam Bat Roselia, Roselena, et Binyamin Ben Chaviva. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle, nous étudions dans Sechat Shabbat, Perek Yuzel Mishnah Zayin. Pkak Achalon, Rabbi Eliezer Omer, Bizman Shehu Kashur Vetaloui, Pokekinbo, Ve'imlav en pokekinbo. Vachachamim omrim ben kach pokekinbo. Mishnah qui demande d'être bien expliqué, on va d'abord commencer par la traduire. Pkakachalon, littéralement le bouchon de la fenêtre, c'est-à-dire en fait c'était une sorte de fenêtre, mais qui n'était pas sur des gonds comme les nôtres qu'on ouvre, mais c'était plutôt une sorte de tableau qu'on encastrait dans le mur et qu'on retirait du mur, d'accord? Elle n'était pas donc sur un tir. Et donc Rabbi Eliezer me dit, donc la question est de savoir est-ce que je peux le mettre pendant Shabbat. Ça touche à l'interdit de bonnet, ou plus précisément de Ohel. On va expliquer ensuite pourquoi dans les détails. Donc vous avez retenu, on parle d'un kakachalon, c'est un bouchon, quelque chose qui va fermer la fenêtre. Et alors Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Bizman shu kashur vetaloui. Si il est kashur vetaloui, il est accroché et suspendu, c'est-à-dire qu'il est. Et il est accroché avec une corde. Mais mieux que ça, il ne touche même pas le sol. Il est purement en l'air. Donc là, tout le monde voit bien que c'est quelque chose qui est censé refermer. Donc là, pour Kekinbo, on aura le droit de fermer avec. Veimlav, par contre, s'il n'est pas cachour et talou, il n'est pas fixé avec une corde et suspendu en l'air. Par exemple, il a une corde, mais qui est trop longue, que maintenant ça touche même à moitié le sol. Alors dans ce cas-là, en pour Kekinbo, tu ne pourras plus fermer avec cette fermeture. Tandis que Vachachem et Onrim, Chachamim nous disent non, Ben Kach, j'explique comme le Bartanora nous dit directement, comme la Gemara le conclut, Ben Kach, que cette fenêtre, si on peut l'appeler comme ça, qu'elle soit attachée ou même qu'elle ne soit pas du tout attachée, même si elle est complètement sur le côté, Pokekinbo, on aura le droit de fermer avec elle dans la mesure où ce tableau, ou cette planche, elle est prédestinée à fermer la fenêtre. Ça veut dire qu'en fait, d'abord, je répète très succinctement, la Mishnah, en fait, vous avez bien compris, on a une sorte de planche de bois qu'on ferme la fenêtre avec. Ramim nous dit, je précise, si elle est prédestinée, elle est prévue pour fermer, alors tu peux même la retirer complètement, la poser à côté et la remettre constamment quand tu as besoin. Il n'y a aucun problème, aucun interdit. Tandis que Rabbi Eliezer nous dit, non, tu n'as pas le droit de la mettre, il faut qu'elle soit accrochée, suspendue, mais même mieux que ça suspendue, qu'elle ne touche pas du tout le sol. Autrement, maintenant on arrive maintenant à expliquer un petit peu mieux la marloquette, on touche à l'interdit de Ohel, faire une tente à Shabbat. Premièrement, il y a un interdit à Shabbat de bonnet, un interdit de la Torah de construire à Shabbat. Maintenant, ajouter sur quelque chose qui est déjà construit, quelque chose de fixe, c'est interdit par la Torah. Ajouter quelque chose qui n'est pas censé être fixé, alors c'est soit parfois permis, parfois interdit. On ne va pas parler de bonnet tout de suite, mais on va plutôt parler maintenant de Ohel. Ohel, c'est un travail dérivé de bonnet. Ohel, ça veut dire faire une tente. Et c'est des définitions un peu différentes. C'est-à-dire le principe de bonnet, de construire, c'est de fabriquer quelque chose. Le principe de la tente, c'est uniquement d'avoir quelque chose qui va abriter. D'accord? Par définition. Il y a, dans le prochain 5 minutes qui va sortir, il y aura des questions-réponses du Shabbat sur l'interdit d'Ohel. En l'occurrence, on n'a pas le droit d'étendre un drap sur un lit de bébé qui dort. C'est interdit de Ohel. Peut-être que justement, c'est bien que je parle de ce cas, parce que ça va toucher exactement la marque loquette entre Bélezer et Rafamim. C'est un sujet très vaste. Le principe de ne pas ouvrir un parapluie à Shabbat, c'est lié à cet interdit de Ohel. Le même principe aussi de faire une tente, de faire un espace couvert. Fabriquer un espace couvert pendant Shabbat, c'est interdit même pour jouer, même des enfants qui veulent jouer. Même en l'occurrence, c'est la question qu'on va parler dans 5 minutes, que un bébé qui dort dans le salon, et puis on veut mettre un drap sur lui pour ne pas qu'il y ait la lumière qui va lui pour lui faire un petit peu de l'ombre. Donc on va étendre un drap, et bon, il y a un interdit midrabanan de Ohel Arai, de fabriquer un espace couvert. On est plus marqué dans la loi de Ohel que dans la loi de bonnet. J'ai le droit d'étendre un drap à la verticale pour empêcher que la lumière elle va entrer dans le... Disons, j'ai la lumière dans le couloir, je vais mettre un drap pour... Ne pas que la lumière rentre dans le salon, ben c'est permis. Mais si j'ai la lumière qui est claire ici, je veux mettre à l'horizontale, je veux mettre le drap, là j'ai plus le droit de le faire parce que je suis en train de fabriquer un Ohel. D'accord? Pour pouvoir permettre un Ohel, il y a une halakha maintenant qui va me dire Mosif à la Ohel, Arai Moutar. Rajouter sur un Ohel Arai, sur une tente qui est déjà existante, un petit peu,
j'ai le droit de faire, c'est permis. Par exemple, c'est très vaste, c'est un sujet. Siman Shin Tet Vav dans le Shulchan Aruch. 315 du Shulchan Aruch, ça parle très longuement de ça, il y a des tas de cas, c'est un sujet très vaste. Personnellement, je ne le domine pas assez, je préfère pas trop parler plus que ce que je connais. Il y a le même principe avec les devantures. Les devantures de magasin, vous savez, les pergolas un peu coulissantes comme ça. L'ouvrir, fermer, il y a du soleil sur le balcon, et on a un toit que l'on rabat. Alors là, on a une halakha très intéressante. Si toutefois, le balcon il est déjà couvert partiellement, sur une distance de 1 tefar de large, d'accord, 1 tefar de large, donc 12 cm, il y a déjà un OL, et ben on a le droit d'être mossif à la OL, de rajouter sur l'OL, de faire que ça va s'ouvrir encore plus. Donc on aura le droit de dérouler le rideau du balcon. Pour le lit de bébé, on veut couvrir le lit de bébé, on peut avant Shabbat prévoir le drap qui va couvrir une partie du lit, et comme ça quand le bébé va vouloir dormir, on va étendre le drap. On n'aura pas le droit de l'enlever complètement parce qu'on va détruire l'OL, ce sera aussi interdit. Mais s'il est déjà posé, on a le droit de le tirer complètement ou pas. C'est fréquent à l'époque, on parle beaucoup dans la halakha, des lits à baldaquin, même principe aussi. Je ne sais pas exactement quand. Chez nous, les lits à baldaquin qu'on connaît, c'est qu'on étend jusqu'à chose, une fermeture sur le côté. Mais en fait, non, ça couvrait aussi le toit. Apparemment, il y avait un. Je ne sais pas exactement. J'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément des maisons où il y avait tellement de murs dans les maisons. C'était plus des lits qui étaient un peu isolés, comme ça. On rabattait un drap dessus. Ou... Voilà. Ça, c'était donc pour l'interdit de la permission d'être mossif à la OL. Et c'est précisément sur ça qu'ils discutent Rabbi Eliezer et Chachamim. Je vais suivre pour le moment le pirouche de Rashi, parce que la Gemara dit explicitement que cette marloquette, c'est mossif à la OL. Ajouté sur un OL, sur une tente, c'est-à-dire sur un toit qui est déjà existant, ajouter, le rallonger. C'est exactement sur ça qu'ils discutent. Le problème, c'est qu'on est en train de me parler d'une fenêtre. Une fenêtre, c'est sur le côté, c'est pas sur le toit. Du coup, Rashi résout le problème, il nous dit non, on parle d'une fenêtre qui est sur le toit. Donc, pour le moment, on va suivre Rashi parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et même pour. C'est plus facile à comprendre, quoi. C'est la base. C'est important qu'on étudie d'abord d'avoir l'explication la plus proche du texte. Après, on peut extrapoler un petit peu plus. Donc, Rashi, ça nous propose une solution simple. C'est qu'en fait, on a. C'est pas un toit, c'est une fenêtre qui est sur le plafond. Et une lucarne, en bon français. Et donc, maintenant, on a envie de la fermer. Et alors, maintenant, on est en train d'être mossif à la OL. C'est-à-dire, j'ai déjà le toit sur tout le reste de ma maison. Mais j'ai en plus de ça, au milieu, un trou que je veux fermer. Je veux être mossif à la OL, rajouté sur le toit. Rabbi Eliezer me dit, c'est interdit de rajouter, sauf si maintenant, la fermeture, elle est toujours constamment liée, elle est à côté. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien que c'est quelque chose qui est là, qui est fait pour être fermé, ouvert constamment. Donc, tu as le droit de le faire, autant même dit que tu as le droit de fermer une fenêtre. T'es pas en train de faire une nouvelle création quelque part. L'interdit, c'est de fabriquer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose, un élément nouveau qui va rallonger le toit. Là, c'est ce que Rabbi Eliezer interdit. Tandis que Rami nous dit non, si le toit est déjà existant, tu peux faire ce que tu veux, tu peux apporter ce que tu veux, mais à condition quand même que ce soit quelque chose de prédestiné à fermer. Ça, c'est ce qu'on explique comme Rashi. Il y a maintenant le pshat de Tosot qui va expliquer que même ajouter, fermer une ouverture de fenêtre, même sur le côté, c'est encore en rapport avec l'interdit de Mossif à la OL. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha.